Eh bien salut et bienvenue. Aujourd'hui on parle du niveau qui est en train de se finir tout doucement, mais sûrement comme on dit. Et donc je vais te montrer un peu le deuxième niveau, qu'est-ce que ça donne. C'est pas encore fini, mais il y a quelques trucs qui sont arrivés. Tu vas savoir un peu qu'est-ce que ça va donner vers la fin, un peu l'atmosphère qu'il y aura dans le deuxième niveau, même si c'est à peu près le même atmosphère que dans le premier niveau. Mais voilà, je te montre un peu qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai avancé dessus, et je te montre aussi une petite feature que j'ai ajoutée que je trouve plutôt pas mal. Voilà, c'est un truc tout simple, mais ça rajoute un peu plus de dynamisme, un peu plus de réalisme dans le niveau. Donc voilà, comme tu le vois ici, on rentre directement dans le deuxième niveau, où il y aura trois chemins à emprunter, et donc ces trois chemins te mèneront vers des coffres où tu pourras donc récupérer les gemmes dont je t'en avais parlé. Donc voilà, pour le moment, il n'y a pas trop d'ennemis, parce que j'ai suis en train de faire un peu le design du niveau, le level design, donc il n'y a pas d'ennemis pour le moment. Mais voilà, je suis toujours en construction du niveau, l'aile droite, donc ce que tu vois en ce moment est fini, donc c'est un couloir avec un coffre à la fin. Donc ensuite, un autre truc que j'ai essayé de faire, je me suis rendu compte, c'est que, en fait, comme on est dans un endroit, un bâtiment qui est un peu petit, et que la caméra est un peu loin du personnage, ça fait que notre caméra, parfois, elle part à l'extérieur du niveau, ce qu'on veut pas, en fait. On veut qu'elle reste à l'intérieur du niveau, on veut qu'elle reste confinée entre les murs. Et donc j'étais en train de travailler là-dessus, et donc j'ai fait quelques changements sur le script de la caméra. Et sauf qu'à un moment, je sais pas, le logiciel a planté et j'avais pas sauvegardé malheureusement. Et du coup, comme j'avais fait pas mal de modifications, du coup j'ai tout perdu, ce qui m'a pris un peu de temps. Du coup, je vais refaire ça d'ici ce week-end. Mais bon, voilà quoi, c'est un peu chiant de perdre son travail alors que t'as passé un peu de temps dessus pour justement modifier et corriger ça. Mais bon, de toute façon, ça va arriver dans tous les cas, que ce soit demain ou la semaine prochaine, ça va arriver. Et enfin, le dernier truc, c'est que comme tu le vois, j'ai intégré une porte, donc dès qu'on va s'approcher près de cette porte, et ben elle va s'ouvrir automatiquement comme une porte de supermarché, comme une porte comme une porte quoi, une porte qui s'ouvre automatiquement au contact quand il y a quelqu'un et qui va se fermer quand on sera plus là. Voilà, c'est une petite option que j'ai rajoutée que je trouve qui est plutôt pas mal. Et donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée, bonne journée. Salut. Attends, attends, avant de partir, j'ai encore un dernier truc à te dire. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, c'est juste là. Allez, viens, c'est bien. Villains, someone call the heroes. Tell them that I'm living like I'm both. Call me P-Rose, living by the G-code.